Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau quotidien de Coin de France. Alain Donnant s'est exprimé au recevoir de LCI, jeudi soir, sur l'état de santé de Bernard Tapie, actuellement hospitalisé. D'une forte personnalité à l'autre, jeudi 27 mai, sur LCI, Alain Donnant est revenu lors d'un entretien téléphonique avec Darius Rochevin sur son amitié avec Bernard Tapie, actuellement hospitalisé. Je lui souhaite de la force, a déclaré l'acteur français. Et d'ajouter, j'ai entendu dire qu'il n'avait aucun danger de mourir, des opérations qu'il va bientôt endurer. D'ailleurs, l'ancien ministre a une force de caractère incroyable et il supporte sa maladie depuis de nombreuses années. Je ne suis pas du tout inquiet, étant donné que je le connais. Elle est très forte et puissante. On s'est fait connaissance et il m'a bien aimé. Quand j'en avais besoin, il m'aidait. Et quand il en avait besoin, je faisais le même. De plus, je vais continuer de le supporter. L'acteur de 85 ans est lui aussi revenu sur l'actualité judiciaire de l'entaffaire. Lui qui est actuellement jugé en appel à Paris dans le dossier de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. La justice a de cette manière une attitude très brutale, compte tenu de l'état dans lequel se trouve Bernard Tapie. Surtout, il ne faut pas baisser les genoux, sinon on vous frappe dans le dos et vous tombez à plat ventre. A déclaré Alain Delon, ajoutant que l'ancien leader de l'OM suscite la jalousie depuis des années. On lui en veut de sa force, de son talent et de son intelligence et du reste. Bon rétablissement, Bernard Tapie. C'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et de s'abonner à la chaîne. A bientôt.